C'est le moment de retrouvailles ici au stade de Kambali. Certains d'entre ces jeunes ont fini leurs études à l'UAC dernièrement. D'autres, il y a des lustres. Ils sont vêtus en noir et leurs cadets, encore étudiants, en bleu ciel et culottes noires. Tous se retrouvent ici pour partager la convivialité qui caractérise leur mère nourricière, l'Université de l'Assomption au Congo, jadis Institut supérieur Emmanuel d'Aljon de Boutembo, ICAB. Un match de football qui rappelle de beaux moments avec des visages légendaires et a marqué l'histoire du football interinstitutionnel supérieur et universitaire de Boutembo. Ils sont toujours pareils, pleins d'avis. Avec cette défense menée par les surnommés Égyptiens, l'équipe des Assiens a dû compter aussi sur l'expertise d'Eroki Kisoka pour alimenter son attaque dirigée par Olivier Kiswaka. Tout ceci sous le leadership d'Adelar Muhawamboko. Ceux-ci ne tardaient pas à déclencher le festival. 20 minutes seulement sur une balle remise en touche, bien cadrée par le latéral droit des alumni, Olivier Kiswaka profite de l'instance de la défense des cadets pour remettre au fond des filets cette balle repoussée par les portiers. L'ouverture de score pour les Assiens. Roki Kisoka conforte la position des Assiens avec un second but en finissant un deuxième forceps du latéral droit sur une touche renvoyée par le gardien des étudiants. Les anciens étudiants de l'UAC vont sécuriser leur match par un troisième but à quelques minutes de l'arrêt des jeux pour la mi-temps. Comme les deux premiers, celui-ci tire son origine toujours d'une touche jetée jusque dans la surface de réparation des étudiants, droit au pied de cet alumni qui finit l'action sans trop forcer. Les étudiants réussissent à réduire 2 de 3 buts en toute fin de match pour le 2 contre 3. Un score qui réjouit bien les capitaines des Assiens qui louent la bravoure de ses coéquipiers en dépit du poids de l'âge. Nous avons apprécié la qualité de nos joueurs qui sont restés à l'IAC. Ce que nous pouvons demander, c'est de renforcer les entraînements. Il se pourrait qu'il y ait quelques qui ne sont pas arrivés. Alors je vais demander au ministre des Sports de l'IAC de contacter d'autres étudiants en fait de renforcer le statut que nous avons apprécié aujourd'hui. Les capitaines des étudiants se désolent de n'avoir pas pu offrir aux étudiants qui se sont mobilisés pour cette fin la victoire. Reconnaissant la touche des Assiens, il promet un beau retour dans quelques semaines. Ce match a visé rassembler ses fruits de l'UAC, jadis ICAB, ainsi renforcer la cohésion entre eux. Jérémy Bazoka, ministre des Sports du Conseil étudiantin de l'UAC, se réjouit que leur objectif soit atteint. Alors, l'objectif est que nous voulions renforcer les liens nous unissant avec nos ressortissants. Alors, nous devons être capables de les ramener encore dans notre chère université. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer une intégration de nouveaux étudiants. Ils peuvent participer aussi. L'intégration est prévue pour le 19 février. Cette activité est organisée en prélude de l'intégration de nouveaux étudiants de cette institution académique prévue dans quelques semaines.